Désolé d'interrompre vos congés. Comment va Laura? Très bien, amiral. Scotch? Non, merci, sans façon. Combien de temps vous faut-il pour appareiller le Seaviper? J'ai besoin de 24 heures. Vous devrez vous contenter de 12 heures. Nous avons reçu un message radio de détresse d'un avion abattu. Un petit Lulu. Ses coordonnées indiquaient une île proche de Sumatra. Une partie du message étant inaudible, nous n'avons pas pu totalement le reconstituer. Dans ces documents, vous trouverez une description détaillée de ce que nous pensons qu'il se passe sur cette île. Le président Roosevelt demande que j'envoie notre meilleur sous-marin et notre meilleur capitaine sur les lieux. Compris? Oui, amiral. Bonne chance. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu te taises et que tu restes bien tranquille. Reste bien tranquille. Écoute-moi, ça va aller, ok? Courage. Reste avec moi. Tu dois rester avec moi, Johnny. Merde! Johnny! Johnny! C'est vraiment trop bête, Onions. Ta mère t'a jamais dit qu'il valait mieux ne pas jouer? En tout cas, elle t'a sûrement pas appris à respecter le seigneur. Oh, ferme-la, cutter! À toi de donner. À toi. Je suis. Je n'ai pas l'intention de vous laisser jouer seul. Nom de Dieu. File en deux. J'en veux aucune. Quoi? Pas de carte? Non. Je relance de 3. À vous de jouer. Et donne-moi ton feu. 3 pour voir. 3 pour suivre. Et je relance de 3. Ok, ben, je m'incline. Je parie que t'as au moins un full. Qu'est-ce que tu décides, chef? Je crains de ne plus avoir assez de jetons. Je peux te faire une reconnaissance de dette. Pas de livre de compte, ni de reconnaissance de dette. Tu te souviens de ce qu'on a dit au début de la partie? À moins que tu aies quelque chose à mettre en jeu. Comme peut-être la montre que tu m'as volée. Volée? Quoi? Donc tu veux récupérer ta montre? Elle te manque donc à ce point-là, beau gosse. Peut-être que je devrais me contenter de suivre. Et on s'arrêterait là. Tu ne peux pas? Ce serait moche. Hey chef, j'aimerais bien voir la montre. Ouais. Hé, hey, regarde, il y a un truc de marqué, là. Il y a écrit « Pour Samuel Cutter, de la part de Robert E. Lee, 1864 ». Vu qu'on est en 1944 et au mois de septembre, ça fait 80 ans. Vraiment? C'est fou, ça? Nom de Dieu, Cutter, tu sais quoi? T'es un vieil homme. Dis, chef, comment t'as eu cette montre? Il l'a volée. Quoi, le chef vole? Ça, ça m'étonnerait. En fait, je l'ai gagnée lors de notre dernière partie. Je peux la voir? Il s'agit vraiment du fameux Robert E. Lee, le héros de la guerre civile? Wow. C'est comme si je touchais l'histoire. Le général Lee en a fait cadeau à mon grand-père. Ils ont combattu plusieurs fois côte à côte. Ok, Mulet. Rends-la-moi. Le général Lee, un héros. Ma famille a rejoint la Caroline du Nord après la guerre. Oui, comme des tas d'autres profiteurs de guerre. Tu traites ma famille de profiteurs de guerre? Laisse tomber, Mulet. Qu'est-ce que tu décides, chef? Tu te couches, comme le perdant que tu es? Ou tu nous étonnes tous en mettant la montre sur la pile? Chef, abandonne et garde la montre. Il est tard, déjà. Qu'est-ce que tu as en main, Cutter? Fais voir. Tu es tellement naïf. C'est bon, allez, montre ce que tu as. Je veux te voir blêmir. Tu es un perdant. Tu as perdu toute la nuit. Et tu vas encore perdre. Tes cartes, jeune homme. J'ai un beau full. 3 rois, 2 valets.
Des 10. Un carré de 10. Ah, c'est toi qui as perdu. Cette montre est un héritage familial. Je veux ma montre. Ce n'est plus la tienne. Tu l'as perdue. Et au fait, Cutter, est-ce que ton cher papa, le sénateur de Virginie, ne t'a pas conseillé de ne jamais jouer? Est-ce que ton père, le très modeste ouvrier soudeur, ne t'a pas conseillé de rester à l'écart des femmes des autres? Ou est-ce tel père, tel fils? Ou espèce de salopard! Ok, ça suffit! Du calme, chef! Je te permets pas ce genre d'assignation! Du calme, ça suffit! Hé, les gars, je devrais peut-être avoir une conversation avec le capitaine Culpepper, d'officier à officier. Je suis sûr qu'il sera intéressé de connaître les relations entre le chef et madame Culpepper. À quoi tu joues? C'est une menace? C'est ma montre. Des machines, tout est prêt. Sauf qu'on a un convoi là-dehors à environ 6 000 mètres. Télescope! Mulet, distance de la cible. 4 000 mètres, commandant. Télescope! Ils ne savent pas qu'on est là. Ça nous laisse le choix de la manœuvre. Commandant, on a reçu un message, mais il est indistinct. Si nous sommes ici, c'est pour récupérer le pilote d'un avion abattu dont les coordonnées sont petites lulu. Dès que nous aurons fini ici, nous irons récupérer ce pauvre boug et tâcher de comprendre ce qui se trame sur cette île. Télescope! Distance de la cible, Mulet! 3 000 mètres! On va jouer les incrustes dans la partie, les gars. On a un tanker d'environ 10 000 tonnes. Un petit navire de marchandises, peut-être des munitions, peut-être pas. Et deux destroyers japonais qui ramènent leurs hommes. Périscope. Joe, qu'est-ce que t'en dis? On attaque d'abord le tanker, puis le cargo, et puis on se tire en vitesse. C'est lié dans mes pensées. Périscope. Chargez les tubes 1, 2, 3 et 4 et ouvrez les portes avant. Chargez les tubes 1, 2, 3 et 4 et ouvrez les portes avant. On commence par attaquer le tanker. Angle de sarpou, 35 degrés tribord. Distance, maintenant. Périscope. En avant toute, deux tiers. Manœuvrez en avant toute, deux tiers. Le cargo est juste derrière le tanker. Différez le dernier lancer sur la même trajectoire. On avoisine une distance de 2000 mètres. Encore combien avant de lancer? Quelques mètres encore et on pourra lancer les grenouilles. Périscope. Ils nous ont vus. Distance 2000 mètres. On a un destroyer qui avance rapidement, commandant. Quel est le cap sur une trajectoire de 80 degrés tribord? 2, 5, 5. Salle des torpilles, soyez prêts. Je donnerai la position finale puis on attaquera. 1, 2, 3 et 4 prêts au lancement. Tube 1, 2, 3 et 4 prêts au lancement. Viré à bâbord. 4, 0, 5, 5. Tube 1 à 4 paré à lancer. Tube 1 à 4 paré à lancer. Salut, tant pis, soyez prêts. Position finale, maintenant. Position 2, 7, 0. Position 2, 7, 0, enregistré. Distance, maintenant. 1500 mètres. Le destroyer avance très vite sur nous. Tube 1, lancé. Tube 2, lancé. Tube 2, lancé. Le destroyer va nous heurter dans 2 minutes. Okay, stop. Pardon? Tu as déjà fait de la voile? Mon frère et moi, on fabriquait des petits voiliers quand on était gosses. On les faisait naviguer sur le lac dans Central Park. Quand toi et moi, on sera sortis de cette foutue guerre, on ira naviguer. On prendra mon voilier, et on fera cap sur Martha Signard. Ça a l'air très tentant. Tube 3, lancé. Tube 3, lancé. Tube 4, lancé. Tube 4, lancé. Commandant, on a de la visite. Immersion à 250 pieds, purgez les ballasts. Purgez les ballasts. Immersion à 2, 5, 0. Purgez les ballasts. J'entends des éclaboussures. À quand l'impact de la première grenouille? Dans 10 secondes. On est à 150 pieds, plus que 5 secondes. On est à 175 pieds, préparez-vous à la course. On a eu le tanker, commandant. Deuxième torpille, là aussi, atteint. Deuxième tir réussi. Raccrochez-vous tous. On est à 225 pieds. Torpille 3 a manqué son but. C'était tout proche de possible. 250 pieds, ça y est. Deux tirs sur 4, c'est pas mal. Un autre impact, commandant. Beau tir, commandant. 3 sur 4, c'est pas mal, les gars. Pas mal du tout. En vitesse. Immersion à 2, 7, 5. Immersion à 2, 7, 5. Commandant, je sais que ça paraît fou, mais je crois que le destroyer s'éloigne. Mulet dit que le destroyer semble s'éloigner. Je me demande pourquoi. Récupérer les survivants? Peut-être qu'il s'agit d'une chose plus importante. Horatio, en parlant de survivants, on a un pilote en détresse à récupérer. Mets le cap sur les coordonnées de Petite Lulu. On va récupérer ce pilote près d'une petite île. Là-bas, il nous faudra des fusils et des armes de poing. Le chef et Galère m'accompagnent sur Terre.
Ne tirez pas. C'est peut-être notre pilote. Ok, à vos ordres. Petit Cubu ? Je suis content que vous soyez là. Ok, on fout le camp d'ici. Non, on ne peut pas s'en aller tout de suite. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Les deux prisonniers de guerre dans une vieille cueille japonaise dans la jungle, avec le prisonnier japonais. Je suis venu sur la plage tous les jours pour voir si vous arriviez. On doit y retourner et les récupérer. Ok, on récupère ces gars et on lève le camp. Sûr de ce que j'ai vu. Je pilotais photo de Joe quand je les ai aperçus ensemble dans ce port. Je suis descendu pour prendre une photo de plus près et ils nous ont tiré dessus. On s'est crashé et mon copilote s'en est pas tiré. Il s'est fait tuer par le japonais. Il faut que le quartier général ait ces informations. Commandant, on n'a rien sur le Japon. Qui était ensemble près de cette île ? Un destroyer japonais et un U-boat allemand. Un U-boat ? Ici ? Mais enfin, qu'est-ce que les Allemands viennent faire dans le Sud-Pacifique ? Ces nazis devraient être à court de fuel avant même d'arriver ici. J'ai reçu l'ordre de la part du président Roosevelt de diriger le Seaviper vers ses coordonnées. C'est une mission secrète, chef. Personne ne croira que les Allemands peuvent faire ça tant que l'information ne sera pas donnée. Ramène les deux hommes avec Galère au bateau. Lewis et moi allons partir en reconnaissance de l'île. Commandant, il vaut mieux que ce soit moi qui reste et que vous retourniez sur le bateau. Je trouve ça risqué, d'autant que c'est la première mission de l'officier en second dans un sous-marin. Il n'a jamais dirigé que des vaisseaux de surface. Chef, je veux que Galère et toi vous remontiez à bord. Bien, commandant. Chef, vous pouvez me passer votre fusil ? Bien sûr. Vite, Lewis. Vous connaissez peut-être mon frère, Jack Keenan. Il est pilote sur un faucon. Il est porté disparu depuis 2 ans. Désolé, chef, ça ne dit vraiment rien. Je peux avoir le fusil ? Moi attentivement, chef. Oui, commandant. Le second est un homme bien. Tu peux lui faire confiance. Mets-le au courant de ce qui se passe ici. Mais ne raconte ça à personne d'autre. C'est l'officier Cutter qu'il faudra surveiller. Il est trop ambitieux. Bien, commandant. Maintenez la position actuelle en silence radio. Rendez-vous à 3h du matin. Demain, sur la plage. Si je ne suis pas au rendez-vous, apportez cette information au quartier général. Mais surtout, et je répète, surtout, n'attaquez pas le U-boat. On s'occupera des boches quand je serai monté à bord. Considère ceci comme un ordre. Compris. C'est très clair, commandant. Ici le pont. Radeau à environ 100 mètres à tribord. Lieutenant, j'ai un destroyer à 3500 mètres. Position 120. Demande au pont. Le radar a repéré un destroyer à 3500 mètres. Position 120. Maintenez notre position. On les ramène à bord. Préparez l'immersion. Foutu ce con. Ils veulent tous nous faire tuer. Risquer le bateau pour quelques hommes sur un ratio, c'est ridicule. Le capitaine est sur ce ratio. Descendez dans le bateau! Dégagez la passerelle! On plonge! On plonge!
Bienvenue à bord, chef. Où est le capitaine? En reconnaissance. Immersion périscopique. Chargez les tubes 1, 2 et 3. Immersion périscopique. Remplissage des tubes 1, 2 et 3. Tubes 1, 2 et 3 chargés. Chef, l'angle de la proue est pas bord 2, 5. Position, maintenant. 3, 3, 2. Périscope. En avant toutes deux tiers. Ouvrez les portes avant. Il avance vite, commandant. Cap pour une trajectoire à bas bord de 60 degrés. 3, 0, 5. Je donnerai la position finale. Et puis on attaquera. Périscope. Ouverture des ports. Soyez prêts, tube 1, 2 et 3. Soyez prêts, tube 1, 2 et 3. Position finale. Maintenant. 3, 0, 0. Enregistré. On lance les torpilles. 1800 mètres. Nous avons une solution de tir en cours. Est-ce qu'on lance les torpilles? 1300 mètres, commandant. Commandant, on va le faire. Périscope. Je l'entends, il est quasiment au-dessus de nous. Ils sont plus périscope. Il aurait fallu tirer. Maintenant, on doit fuir. Immersion à 3, 5, 0. Purgez les ballasts. La profondeur maximale testée est de 300 pieds. Possible qu'il y ait une commotion. Il faut qu'on l'emmène dans ces quartiers. Vraiment? Alors je prends le commandement. 325 pieds! La pression dans le bateau devient critique! Est-ce qu'on se maintient à 325 pieds, commandant? Chef, descendez jusqu'à 350 pieds et équilibrez l'assiette. Arrêtez toutes les machines, maintenez le silence patrouille, on va attendre. Ensuite, on lancera aux Japonais les torpilles 1 et 2. À mon tour d'attaquer. Et se faire dorer sur la plage. Et bon Dieu, pouvoir lire et relire toutes mes lettres d'amour. Oh, et ne pas devoir dormir les muscles tendus pour ne pas tomber du lit suspendu. Oh, ce serait vraiment le paradis. Hey, Lise, hey, t'as entendu ça? Je viens de rimer, exactement comme tes poètes. T'es pas poète, toi? Bartiméo, hey, hey, Bartiméo. Oh, cette odeur-là est pire que ce que Gris dépose au fond des champs. Ça suffit, tu la fermes, Onions, tu la fermes. Bartiméo, faut que tu le dégages de là. Infection, plus trop pour moi. Il a raison, Bartiméo. C'est horrible. Pire que sa respiration. Tu pourrais l'emmener dans la salle des torpilles. Pas question. Pas à l'avant. Qu'il aille à l'arrière tout au fond. Il est transportable. Il reste ici. Et pourquoi tu l'emmènes pas dans tes propres quartiers alors? Vous voulez bien arrêter de chialer et juste la fermer? N'y pensez plus. C'est juste une odeur. Ce bateau regorge d'odeur. Et peut-être bien que vous allez vous y habituer, comme vous l'êtes à votre propre odeur. Faut le faire taire. Saloperie. Écoute-moi, il faut plus gémir. Ce bateau là-haut va nous repérer dans un faisceau de son sonar. Écoutez, écoutez, chut. Écoutez, j'entends quelque chose. Ça devient plus fort. Accrochez-vous, Conan. Il faut qu'il la fasse, compris? Putain. Putain, il fait chier ce mec. Arrête de chuter. On n'a pas le choix. Bartiméo, il faut qu'il reste contre cette chose à l'étouffer. Regarde, on se calme. Ça va aller. Donc, c'est quoi ça? C'est pas sa vie. Tu crois que c'est la campagne? Peut-être bien une infection tropicale, qui sait? Je sais pas, mon ami. Faut pas qu'il gémisse. Écoutez. Écoutez. Voilà une autre. Accrochez-vous. Maintenant. Bartiméo, tu dois le faire taire. Il souffre beaucoup. Qu'est-ce que ça dit? Rien de réjouissant.
migraine va pas fort non plus. Il est choqué. Je peux plus respirer. J'ai plus d'air. J'ai plus d'air. Calme, doucement. Reprends-toi. Je peux plus respirer. Tout va bien. Toi, calme-toi. C'est rien. Détends-toi. Détends-toi. Ça va aller. Calme-toi maintenant. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que ça va? Non, ça va pas. Je tiendrai pas. Une nouvelle série de bandes. La pression dans ma tête. J'ai l'impression que ça va exploser. Tu calmes. J'ai jamais aimé les orages. Mon frère Jaxi. Il se moquait constamment de moi. Il adorait les éclairs. Quoi qu'il en soit, Fred, il faut que tu tiennes le coup. Ça va passer. Dis, il se trouve que j'ai une photo de Jax, moi. Il est porté disparu depuis 2 ans. Peut-être que tu l'as vu. Tu as de la famille, quelque part ? En Angleterre. Un frère, dans la guerre ? Non. Une sœur. Juste une sœur. Mais elle a été exécutée par les SS. Pour avoir été une espionne. Son mari et elle travaillaient pour la résistance française. Ils ont réussi à l'avoir lui aussi. Tu es sûr pour mon frère ? Ouais. Dans les chemins de fer, on était essentiellement des Britanniques. Quelques Hollandais, quelques Australiens. Je me souviens pas qu'il y ait eu des Yankees. C'était un pilote ? Ouais. Il volait. Où ça ? Nouvelle-Guinée. Encore en 42. Nouvelle-Guinée. En 42. Je demande à Bette. Oh. Tu connais ce pilote ? T'en es sûr ? Cette foutue radio. Faites bien. Oui ou non ? Ouais, je crois. Retournons dans la cahute et réparons la radio. Faut que l'officier en second reprenne le commandement. Au plus vite. Non, il faut qu'il reste sous surveillance. Il a sûrement une commotion. Il pourrait développer un hématome au niveau du cerveau. Il a une perte de mémoire à court terme. C'est pas là-bas, ça peut passer. Je n'ai aucune certitude. Son équilibre peut être affecté. J'ai besoin de temps, donc lui a besoin de temps aussi. Je suis sûr que tu le remettras sur pied d'ici 1 heure ou 2, pas vrai ? Non, chef. C'est peut-être sérieux. Sérieux ? Allons, Bartiméo, c'est juste fait une bosse en se cognant la tête. Tu dois lui faire reprendre son poste. Il n'est pas en état de reprendre le commandement et je n'ai rien qui médicalement puisse justifier une reprise du travail. Mais de quoi tu parles ? Écoute, tu crois que c'est le moment de remplir des formulaires pour le QG ? Ce navire est en situation délicate là, tout de suite, et Cutter n'est pas l'homme qu'il faut commande. Je parie que l'officier Cutter va prouver qu'il en est tout à fait capable. Bartiméo, ce n'est pas Cooper. Tu sais très bien que Cutter n'hésiterait pas à trahir son propre père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il en a marre. C'est ton père, pas le mien. Et il n'entend rien. Bien sûr que s'il entend, il écoute. Il n'a rien à foutre. Tu ne crois pas en lui? Je ne crois plus. Hé, hey, Kachowski. Si tu veux prier, vas-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De nous aujourd'hui. Soit tu pries en silence, soit tu vas voir rien. Hey, mec, c'est pas ton bateau. Tu n'es là qu'en tant qu'invité. Si Kachowski veut prier, il peut. Toi, t'as qu'à aller voir ailleurs. Et puis toutes les aides qu'on peut avoir seront les bienvenues pour tout le monde. Même si elles viennent du grand type, là-haut. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses obtenir comme aide ? Une quelconque issue. T'es un romantique. Vas-y, Kachowski. Je t'en prie. Dis une prière. Dis une prière pour vivre. Dans quelques heures.
Je te promets une chose. Pas question qu'on se transforme en étoile dorée accrochée à la fenêtre de chez nos mères. Pas là, maintenant. Ça suffit. Tu ennuies tout le monde dans cette pièce et moi aussi. Nous devons conserver notre énergie. C'est déjà assez dur de respirer. Prie en silence, ok? Et je suis d'accord avec Grise. Ne crachons sur aucune forme d'aide. Grise? Prends Kachaski et trouve-moi Milky. Ok, chef. Sortez l'absorbeur de CO2 et commencez à nettoyer la salle des torpilles. Allons-y, Kachaski. Comment va Bette? Il est installé confortablement. C'est tout ce que je peux faire maintenant. On dirait que sa jambe va devoir être amputée. Faut transporter Monsieur Bette dans un bateau de surface pour une telle intervention. On ne pourra pas le faire. Il va falloir l'opérer à bord. Tu as fini par trouver ce qu'il avait? Ulcère tropicale. Quoi? C'est une infection locale, j'ai vu ça dans mes bouquins. Chef, tous nos antibiotiques ont été endommagés à cause des chocs. Tout ce qui me reste, c'est des vitamines. On dirait que sa jambe est en train de se gangréner. Nous devons préparer le carré des officiers pour l'opération. Oh non, non. Hors de question que je l'ampute. Je peux pas, je l'ai encore jamais fait. Je veux pas le tuer sur la table. Alors il mourra dans sa cabine. Écoute, tu es son seul espoir, non? Je crois que tu feras ça bien. Jamais. Tout se passera bien. Je peux pas faire ça, ok? Pas ici, les conditions d'opération sont inadéquates et totalement insalubres. Tu feras au mieux. Chef, j'y connais pas grand-chose en amputation. En infection tropicale non plus, d'ailleurs. Et en coupant cette jambe, je sais que Monsieur Bette sera exposé à d'autres infections encore. C'est quoi le souci, Doc? J'ai déjà vu faire. Trop souvent. Ils les hurlent tous comme des fous. Ils donnaient pas d'antidouleur? Des antidouleurs? Non. Des cigarettes locales. Ou une bonne droite dans la mâchoire. Ou un bout de bateau à mordre. Plus 4 mecs pour te tenir pendant que tu hurles à la mort, comme un enfant. Une cigarette locale? C'est quoi exactement? C'est une sorte de tabac que les indigènes cultivent. De plusieurs couleurs, de l'orange au noir. Il est d'autant plus fort qu'il est foncé. Quand tu fumes ça, tu deviens complètement hagard. T'es presque paralysé. T'as une de ces cigarettes sur toi? Non. Frédéric, j'aurais besoin de ton aide. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Presque rien. Comment ça? Les orteils infectés étaient coupés au ciseau, sans anesthésie. Et nous avions de la chance. Nous avions quelqu'un d'avisé, comme docteur. Il était hollandais. Comment il faisait pour se procurer du matériel, scalpel, forceps? J'en sais rien du tout. On utilisait des fourchettes pliées comme écarteurs. Et pour les os? Qu'est-ce qu'ils utilisaient pour couper les os? On empruntait une scie. Au boucher à la cantine. Qui lui-même empruntait au menuisier. Je t'en prie, Frédéric. Il faut que tu m'aides. Je suis pas docteur. Bette va mourir. Je peux pas faire ça sans toi. Tu dois l'aider. Tu es le seul à avoir vu faire ce genre de choses. Si je suis capable de réparer une radio, je suis incapable de réparer encore. Je le répète. Je suis pas un docteur. Ce que j'ai essayé d'aider sont morts. J'ai appris à m'éloigner de la mort. Durant les campagnes, on séparait les malades légers des plus atteints. Les plus atteints étaient renvoyés au travail, parce qu'on savait très bien que de toute façon, ils allaient mourir. C'est bon, Steve. Respectez le silence. Pardon, commandant. Mulet, tu entends quelque chose? Non, aucun bruit de surface. Le destroyer est parti, on dirait. Il donne l'impression d'être parti, mais je suis sûr qu'il attend patiemment. Si on refait surface trop vite, on va se faire canarder. Il vaut mieux rester à la profondeur actuelle et maintenir notre route. Immersion périscopique. Si les caps sont au-dessus de nous, ils verront les bulles d'air quand on chassera l'eau des ballasts, et du coup, ils nous tireront dessus. J'ai dit immersion périscopique. Commandant, nous avons subi des dommages considérables lors de la dernière attaque de grenade. Pourrons-nous replonger assez vite pour nous échapper? Nous allons en immersion périscopique pour jeter un œil. Alors remontez à 50 pieds et veillez à ne pas vider les ballasts complètement. Immersion périscopique, chassez au ballast jusqu'à 50 kilos. Ballast opérationnel. Vanne d'échappement coupée. Immersion périscopique à 50 pieds. Périscope. Aucun ennemi en vue. Périscope. C'est la deuxième fois que les Japs se barrent. Pourquoi? Peut-être qu'ils croient qu'ils nous ont eu. Chef, on fait surface. Refaire surface en plein jour, c'est risqué. Milky, j'ai reçu un message. La salle des radios reçoit des messages qui ne sont pas identifiés. Je capte quelque chose sur mon radar, commandant. Mulet, tu peux l'identifier? Il pourrait s'agir du destroyer. Commandant, nous recevons faiblement une transmission radio. Essayez de la décrypter. Kachaski, tu pisses ce qu'il raconte? On dirait de l'allemand. C'est
c'est de l'allemand, on dirait. Il pense que c'est de l'allemand. De l'allemand. Hulet, quelle est la position de ce destroyer? Position à 065. Distance? Approximativement 6500 mètres. Remontez à la surface et maintenez notre position par rapport à celle de ce destroyer. Suivre ce destroyer va à l'encontre des ordres du capitaine commandant. Le destroyer est maintenant en position 055. Distance 6500 mètres. On a identifié le message radio. C'est effectivement de l'allemand. De l'allemand. Oui, c'est sûr. Le destroyer maintient sa route à 055. Chef, vous allez remonter à la surface et suivre la route de ce destroyer, c'est un ordre. Le capitaine m'a lui donné l'ordre de maintenir notre position pour le rendez-vous. Surface, surface, surface. Mettez le cap sur 055. Plus de résistance, sinon je te relève de tes fonctions. Je suis témoin de cet ordre ridicule et j'en attesterai devant la cour martiale qui te jugera. C'est une menace? Une remarque de plus et tu voles. Melky! Il me faut un rapport sur l'état des batteries. Manœuvre, il nous faut un rapport sur l'état des batteries. Batterie faible, chef. Et on n'a pas encore chassé tout l'eau. Le destroyer est toujours à 6500 mètres. Je crois qu'il reste totalement immobile. On ne peut pas rester là comme ça. Restez sur ce destroyer. Maintenez le cap sur 055. Je n'aime pas ça du tout. Les ordres sont à rendez-vous avec le capitaine à 3h et ramenez les photos au quartier général. De quelles photos tu parles? Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Ouvrez les coutils. On monte sur la passerelle. Sur le radar, il est à 3500 mètres. Les valves sont tout ok. Destroyer en vue à 3500 mètres. Position 350. Préparez-vous à plonger. Descendez dans le bateau, dégagez la passerelle. On plonge, on plonge. Immersion périscopique. Cap au 270. Chef, on a un signal très clair. Le message est en allemand. On reçoit à nouveau un message. Le signal est très clair. Ok, chef. Qu'est-ce qu'il y a derrière la péninsule? Un vieux port abandonné. On devrait faire demi-tour et reprendre notre position initiale. Périscope! Je te le demande encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Un vieux port abandonné. Un avion abattu et une vieille cabane qui a probablement été utilisée par les Japonais. Et bien sûr, le capitaine. Périscope! Périscope! Chef, tu interfères intentionnellement dans mon commandement. J'ai un U-boat allemand et un destroyer japonais en vue. Et tu sais quoi? Je vais les suivre. Le capitaine devra attendre, et le seul et unique rapport que je ferai au quartier général concernera le naufrage de ce destroyer. Périscope. Angle de la proue, 90 degrés à bâbord. Position, maintenant. Position 3005. On peut pas laisser cette information disparaître au fond de l'océan. Il faut que tu fasses demi-tour. On ne peut pas prendre le risque de perdre cette information. Distance, maintenant. Distance, 2500 mètres. Périscope. En avant toute, 2/3. Mettre le cap sur 3, 4, 5. En avant toute, 2/3. Chargez les tubes 1, 2 et 3 et ouvrez grand les portes. C'est une énorme erreur. On attaque d'abord le destroyer et ensuite le U-boat. Chargez les tubes 1, 2 et 3 et ouvrez grand les portes. C'est un ordre, chef. Chargez les tubes 1, 2 et 3 et ouvrez grand les portes. Chargez les tubes 1, 2 et 3 et ouvrez grand les portes. Quand les portes seront ouvertes, je donnerai la position finale et on pourra tirer. Périscope. Position. Maintenant. Position. 0-3-5, enregistré. Vous repérez. Périscope, tube 1, lancé. Tube 1, lancé. Tube 2, lancé. Tube 2, lancé. Tube 2 n'est pas parti. Défaillance, le tube 2 n'est pas parti. Tube 3, lancé. Tube 3, lancé. Faut descendre, piocher les ballasts. Vicky, combien de temps pour la première grenouille? Elle devrait atteindre la cible dans 22 secondes. Torpille 2 n'a pas été éjectée. Elle chauffe dans le tube. La deuxième grenouille chauffe dans le tube. Une et 3 ont une trajectoire normale. Profondeur 200 pieds. On met une cible facile. L'une ou l'autre succession. Elle atteindra la cible dans 8 secondes. Je n'ai plus la torpille 1 dans le sonar. Je crois qu'elle est perdue. Le destroyer est à 900 mètres. Combien de temps avant l'impact de la troisième grenouille? Impact imminent. Dans 3 secondes. 2. 1. La torpille aurait déjà dû atteindre la cible. Merde. Le destroyer se rapproche de nous. Il nous suit. Et est-ce qu'il peut nous atteindre à 200 pieds? Il est juste au-dessus de nous. Les turbines de la torpille se sont arrêtées. Elle est toujours dans le tube. Les éclaboussures. Accrochez-vous! La porte du tube 2 est ouverte. Je ne crois pas que la torpille se soit armée toute seule. Il faut qu'on sorte cette torpille avant qu'elle n'explose sous la pression de ses charges. Je demande la permission d'aller dans la salle des torpilles. Que la torpille soit remise dans le bateau. On a un U-boat à chasser. Chasser un U-boat. On ne pourra aller nulle part. Il nous a fait tomber dans un piège. Ce destroyer nous a pris en chasse et ne nous laissera pas filer. Notre situation est extrêmement critique. On a soulevé le boulon d'arrêt, mais on n'arrive pas à récupérer la torpille. Il faut incliner le bateau de 5 degrés vers le haut.
Peut-être qu'alors on pourra bouger cette porte à la manivelle. Accordé. Salle des contrôles, inclinez le bateau de 5 degrés vers le haut. Salle des torpilles, on a incliné le bateau de 5 degrés vers le haut. Êtes-vous capable de faire bouger cette porte? Chef, on fait de notre mieux. La torpille est bien coincée dans le cube. Onions, c'est ton bébé, rentre là. Nom de Dieu, chef, elle bouge pas. Essayez de toutes vos forces. C'est ce qu'on fait. Il nous prend en chasse. Onions, le destroyer nous prend en chasse. Si on doit plonger plus profondément avec cette torpille coincée, on ne reverra plus jamais la surface. Onions, où est-ce que vous en êtes? Le bruit s'intensifie. Il est tout près de nous. Vicky, va donner un coup de main dans la salle des torpilles. À vos ordres. Onions? Je ne t'entends pas. Vicky vient vous donner un coup de main. Pas moi. Descendez doucement à 350. Chef, maintenez le silence patrouille. Descendez à 350 pieds. Vérifiez les clapets et les purges des ballasts. Silence patrouille. Chef, le message radio de tout à l'heure qui était en allemand, il y a un mot que je n'arrive pas à reconnaître. C'est Uran, U-235. Ça vous dit quelque chose? Il avait les cheveux roux et les jaunes détestent les roux.
Comment va Bette? Il est conscient, c'est déjà ça. Il a du mal à respirer. Et son pouls est faible. Chef, le taux d'oxygène est si bas. J'en sais rien. J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. Ouais. Louis, tu as été courageux. Dès qu'on aura de l'air dans ce navire, tu te sentiras mieux. D'ici là, il faut que tu tiennes bon. Chef. Chut. Reste tranquille et repose-toi. Il faut que je te dise. Je retourne au poste de commande, ok? Va te reposer. Jack. Le chef. Jack. C'est au sujet de ton frère Jack. Jack? Jack. Mon frère Jack? Ouais. Ses cheveux étaient roux. C'est ça, il avait les cheveux roux. Où ça? Et quand? Il déteste les roux. Qu'est-ce que tu veux dire? Bette! Bette, tiens bon! Vois ce qui est arrivé! Ce ne sont pas des samouraïs. Ce sont des pirates. Il pense qu'on ne mérite pas de vivre. Ton frère Jack n'avait vraiment aucune chance de s'en sortir. J'ai tué Bette. Non, c'est pas vrai. Tu as fait ce que tu croyais être le mien. Tous les jours, la prisonnier de guerre se demande ce que ça va lui coûter de rester en vie. Et de garder l'esprit sain. Parfois, on fait des choses qui permettront aux autres de vivre. Et c'est, je crois, ce que Monsieur Bette vient de faire. Le micro est totalement hors d'usage. Il va falloir essayer en or, je le crains. Et tu connais en or? C'est mal. J'ai modifié le micro pour envoyer le message. Vous voulez dire quoi? Petite Lulu, urgent. U-boat est destroyé japonais à l'ouest de Sumatra. 3 degrés sud, 99 degrés est. Tous les cargos doivent être capturés. Ok, il n'y a plus qu'à espérer que quelqu'un de notre flotte le reçoive. Oui, envoie-le encore. Vous êtes sûr? On risque de se faire repérer. Oui, je sais. Envoie-le quand même. On est traqués. Où sont les batteries, Onions? Elles sont presque totalement à plat. Chef, Cutter est en train de nous mettre en péril. Et en plus, on prend l'eau sous la salle des machines. Eh bien, va falloir faire quelque chose. Sinon, on va tous se retrouver coincés à jamais au fond de l'océan. Quelles sont les conditions actuellement? Le niveau d'oxygène est critique. Le bateau fait un angle de 20 degrés par rapport à l'eau dans la salle des torpilles arrière. La pression sur le bateau cause des problèmes de direction. Et la salle des pompes commence à prendre l'eau. Quoi d'autre? On est bientôt à court d'air comprimé. Chef, tu sais ce que ça veut dire, non? On pourra plus remonter à la surface. Combien d'air comprimé est-ce qu'il nous reste, tu penses? Il nous en reste assez pour faire remonter le bateau à, disons, 100 pieds de la surface. Une suggestion? L'officier en seconde doit revenir. Faut relever Cutter du commandement. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ouais, je m'en rends compte. Et puis il y a le capitaine. On va le laisser tomber? Il a dû vous donner des ordres quand vous étiez tous les deux avec lui sur cette île. Le capitaine m'a donné l'ordre de venir le reprendre à exactement 3 heures. Et donner une information au quartier général. Alors je suggère qu'on fasse ce que le capitaine a ordonné. Mais avant, vire Cutter du poste de commande. Cette enfoirée de première va tous nous tuer. Je l'ai. Quoi? Le message, il s'agit du manifeste de cargaison d'un bateau. Le rapport quotidien à U-Boat, écoutez ça. Il transporte du tungstène, de l'étain, de l'or, du molybdène et de l'urane. Chef, c'est quoi ce truc? À quoi ça peut servir le molybdène? Urane en allemand, c'est de l'uranium.
L-235 est un métal enrichi qui est radioactif. Radioactif? Oui. Le molybdène, lui, est un métal utilisé à l'origine comme agent d'alliage pour la fonte et l'acier. Il permet de les endurcir, de les renforcer, et de résister à la corrosion. Ces ingrédients vont servir à fabriquer des armes. Quel que soit ce que cet uranium représente, ça veut dire qu'on doit remonter à la surface. Il faut qu'on donne cette information au quartier général, et qu'on récupère le capitaine. Je te rappelle, puisqu'il le faut, que c'est moi qui donne les ordres ici. C'est à moi de prendre les décisions, tu ne vas pas t'emparer de mon bateau. Ton bateau? C'est le bateau du capitaine. T'en as rien à battre du bateau de son équipage. Tu l'as dit toi-même. Tout ce que tu veux, toi, c'est cette foutue montre et une médaille. Une médaille qui te permettra de siéger au Sénat comme ton cher vieux père. J'essayais de faire comprendre plus clairement à Monsieur Cutter les ordres que le capitaine nous a donnés. J'entends beaucoup de bruit au-dessus de nous, commandant. Tu peux l'identifier? Comme une rafale de pluie. Une rafale de pluie? Oui, commandant. Commandant, êtes-vous officiellement reconnu apte au travail? Une rafale de pluie. C'est une parfaite occasion de faire surface. On pourra amener le bateau à la surface? Si Bartimeo ne vous considère pas comme rétabli, c'est moi qui suis toujours aux commandes. On a seulement assez d'air comprimé pour remonter à 100 pieds de la surface. Mettre les moteurs diesel en route, c'est risqué. C'est même de la folie. Mais on fera tout pour que ça fonctionne. Faites-le. Il faut que je parle à Grise. Mais qui? Appelle-moi Grise. C'est à moi de commander, c'est compris? Tant que Bartimeo n'a pas dit le contraire, vous n'êtes pas apte à commander. Je vous ordonne de retourner à l'infirmerie. Écartez-vous, monsieur Cutter, et je vous en conjure, bouclez-la. Grise, tu peux lancer les moteurs diesel? Tout de suite? En immersion? Oui, en immersion. Oui, je peux les faire démarrer. Mais ça va pomper le peu d'air qu'il nous reste à respirer. Si l'air comprimé nous amène à 100 pieds, tu réussiras à nous amener jusqu'à la surface. Oui, oui, je devrais y arriver. Vous devrez juste retenir votre respiration. Grise dit que faire démarrer les moteurs à 100 pieds va créer un immense hiver à bord. Ça devrait nous propulser jusqu'à la surface. C'est de la folie! Commandant. Il n'est pas apte à commander! Pas de reddition, commandant. Faites-le. On remonte à la surface. Quand on touchera la surface, soyez prêts à ouvrir l'écoutille du pont et que l'équipage soit composé de la surface. Le destroyer sera là, vous attendrez, la pluie n'y changera rien. Ce destroyer connaît notre position. Vous avez une meilleure idée? Combien de torpilles reste-t-il? Pas les couilles pour ça. Vous serez incapable de les envoyer à temps. Tu devrais nous laisser et aller voir ailleurs. Vous n'êtes pas apte à commander. Ça suffit. Je ne veux plus vous entendre prononcer le moindre mot de plus. C'est une menace? Non, monsieur Cutter, c'est un ordre! Tu vas quitter cette pièce immédiatement, Cutter. C'est une mutinerie! Mettez! Ramenez monsieur Cutter dans ses quartiers. On va suffoquer avant de toucher la surface. Démarrer les moteurs à 100 pieds va nous tuer. C'est du suicide. J'aurais pu sauver ce bateau. On aurait pu survivre. Chef, et pour les torpilles? On en a trois à l'avant. Le tube numéro 2 est inopérationnel à cause d'une torpille qu'on s'éteint. Ok, chargez les trois autres tubes à l'avant. Écoutez-moi. Quand on fera surface, le destroyer sera là à nous attendre pour nous attaquer. Alors soyez sur le qui-vive et prêts à combattre. On va sauter un destroyer japonais. Salle des torpilles, chargez les tubes 1, 3 et 4. Préparez-vous à tirer à mon commandement. Il me faudra la position du destroyer. Si on a la chance qu'il soit juste devant nous, on pourra tirer directement sur lui. Il n'y aura pas de seconde chance. Bullet, qu'est-ce que t'entends? Toujours cette pluie, commandant. Rien d'autre. Il va falloir économiser l'oxygène. Après avoir chassé les ballasts, on mettra les moteurs en route. Ça va bouffer de l'air et on respirera avec difficulté. Mais si tout roule bien, on pourra respirer à l'air libre dans quelques minutes. Préparez la remontée. Au poste de combat. Les chiffres sont chargés et prêts à lancer. Chassez au ballast et orientez le bateau de 20 degrés vers le haut. Chassez au ballast. Orientez le bateau de 20 degrés vers le haut. On s'approche des 250 pieds. 225. 200. Chef, de la salle des machines se tient prête. Salle des machines, soyez prêts. 150 pieds. Torpille 4, 6 secondes. 2, 1.
t'apporte un bon café. Un bon café et un bon bol d'air frais. Café, comment? Je crois qu'on mérite quelque chose de plus fort. Il y a une vieille, des bouteilles de bourbon et un cognac californien sous mon lit dans ma cabine. On en prendra tous un verre. Et qu'on aura atteint le lieu de rendez-vous. J'ai récupéré à bord du bateau le capitaine Cooper. On va rentrer au pays. On va rentrer chez nous, chez lui. Get there.